Salut les collectionneurs, salut les collectionneuses. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un film, mais d'un concert. Donc, ce concert, il s'agit de Johnny Hallyday. Oui, un coucou. Alors, ce steelbook est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est sa dernière tournée. C'est Restez Vivant Tour. Je suis tombé totalement par hasard dessus. En fait, je savais même pas qu'il était sorti. Je me promenais dans les magasins et je me suis dit, oula, c'est joli ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une édition collector. Alors, à quoi ça ressemble? Donc le voici, hop, avec écrit en dessous édition limitée. Je sais pas du tout à combien, j'ai cherché sur internet, je sais pas du tout à combien d'exemplaires il est sorti, mais il y en avait qu'un seul en rayon, et sur internet je le trouve plus en vente, donc à mon avis il doit pas être si facile que ça à avoir. Donc c'est pas le tout premier steelbook de Johnny, et non, il avait déjà sorti un steelbook en 2009 pour son tour 66, mais je le trouvais pas spécialement beau, alors que celui-ci, vous allez voir, est vraiment très sympa. Alors, on va l'ouvrir, j'enlève le blister, toc, hop, si j'y arrive, et voilà. Donc, je sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur, il y a peut-être des surprises. Donc c'est une version DVD plus CD. Donc là on est en version steelbook. Donc il y a bien la tranche steelbook, mais par contre c'est format DVD. Donc j'imagine que la production au niveau des ventes et du public concerné doit se dire que les DVD se vendent mieux que les Blu-ray. Donc il n'existe pas en Blu-ray un steelbook. Donc on a donc déjà type cadre. Embossage sur le Johnny Hallyday avec autour du lettrage un petit effet métallisé doré très sympa, et sur la face avant, donc c'est le logo de la tournée, le skull métallisé aussi avec écrit juste le titre Restez Vivant Tour, donc Restez Vivant avec un skull, c'est assez sympa. Effet noir, donc c'est pas glossy, hein, c'est plutôt mat ou zéro finish, je saurais pas trop dire, mais vraiment très classe. Donc l'arrière est beaucoup plus classique, puisque là on est sur du gris métallisé, avec sur le haut, donc ça c'est un peu de buée, parce que je viens de l'ouvrir, c'est pas très grave. Sur le haut, donc la liste des chansons qu'il y a sur le DVD. Et le CD bonus avec des chansons en plus. Donc on va l'ouvrir. Donc, la tranche, ouais, c'est assez sobre. Hein. C'est écrit en petit gris. Mais on voit quand même. Donc hop, j'ouvre et hop, il y a un petit livret. Hop, je vais essayer de l'enlever. Je vais l'abîmer. Et par contre, pas d'artwork interne, alors par contre, bon, ça c'est, ouais, on voit la trace d'embossage de l'autre côté, c'est plutôt sympa. La sérigraphie est vraiment assez simple, hein, tout gris, le premier, le deuxième, donc, donc rien de spécial à l'intérieur. Toc. Je vais le reposer juste 2 secondes. Je vais vous montrer un peu le petit livret. Donc noir au dos, qui reprend l'affiche avant et à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? On a des photos, pas mal de textes, les remerciements, la production. Ouais, voilà, c'est pareil, c'est un descriptif en fait de ce qu'il y a sur le DVD. C'est vraiment assez léger. Voilà, donc le petit bonus. Et je vous remonte une dernière fois le DVD, donc Steelbook, qui est, si vous le trouvez, donc version DVD plus CD bonus collector, qui, si vous le trouvez, est aux alentours de 30 euros, mais qui, à mon avis, vu les collectionneurs, va monter assez vite. Enfin, ça dépend, hein, parce que certains objets de Johnny sont collecteurs, d'autres non. Je ne sais pas pourquoi, mais celui-là est vraiment très très beau. Pour moi,
ceux qui aiment Johnny vont vouloir l'avoir. Donc, c'est une pièce à avoir dans sa collection. Voilà, donc c'est tout pour ce steelbook-là, qui change un peu des films. À la prochaine, salut !